Je me suis retenue toute la journée. J'ai l'impression que je vais éclater. Burk! Alex, qu'est-ce que tu fais? Sors de là! Est-ce qu'il est parti? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alex, t'es toujours là? Waouh, je m'y attendais pas. C'est tellement étrange. C'est comme des centaines de billes moelleuses. Est-ce que je devrais les toucher? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ça fait du bien. Ah, quelque chose m'a attrapé la main. Ah! Oh, je connais la réponse. Désolée pour mon retard, je me regardais dans le miroir. Oh, bonjour Alex. Quelque chose ne va pas? Oh, regarde ces boutons. Quoi? Moi, en revanche, je suis parfait. Beau et élégant. Et bien sûr, je suis riche. Oh, tu peux être tellement méchant. Peu importe, comme si ça me touchait. Je déteste tes boutons. Attends, c'est une perle? Peut-être que je peux l'utiliser? Je dois faire éclater plus de boutons. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais coller les perles à ma peau. Elles feront de super accessoires. J'avais besoin d'un nouveau look. Voilà, j'ai tout fini. Qu'est-ce que t'en dis? Wow, c'est mieux. Vraiment? Wow! Merci, Alex. C'est pour toi. Ça t'ira bien. Oh, c'est magnifique. Je savais qu'il te plairait. Tu peux être tellement gentil. Le cours d'art est amusant. Je veux dire, qui a besoin des maths? T'as raison. Ce ne sont qu'un tas de chiffres ennuyeux. Tu dois voir ça. Hé, regarde ça. Oh oh. Qu'est-ce que... Mes post-it! Non! Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive? Ils étaient si jeunes! Désolé, c'était un accident! Comment as-tu pu? On peut être deux à jouer à ce jeu! Ne fais pas ça! Alors c'est comme ça, hein? Oh non, t'as pas fait ça! Pas mes feutres! T'as de gros problèmes! Alors tu veux en venir aux mains? Ah! Ah, j'ai gagné! Victoire! Ah, t'as eu de la chance! Ne me cherche pas! Je ferais mieux de ramasser tout ça! Hein? Qu'est-il arrivé à ce stylo? Je peux pas utiliser ça! Je vais le jeter à la poubelle! Attends un peu! J'ai une idée! Je vais prendre ce chewing-gum! Je vais l'aplatir! Puis je vais le rouler! Je vais le mouler et le façonner! Comme ça! Puis j'aurai besoin du stylo! Je vais le pousser dans le chewing-gum! Mais c'est pas fini! Je vais le peindre en vert! Je veux manquer aucun endroit! Je vais aller jusqu'au bout! Ensuite j'attendrai qu'il sèche! Maintenant je vais coller un petit morceau de chewing-gum dessus! J'ai peint le centre en noir! Je vais recouvrir le stylo avec. Waouh, c'est génial! C'est comme un tentacule! Essayons-le! Il marche parfaitement! Oh, regarde ce stylo! J'ai jamais vu un truc pareil! Je sais, c'est génial, n'est-ce pas? C'est normal d'être jaloux! Waouh, je le veux! Hé! Hey. C'est bientôt mon tour! J'ai tellement hâte! Attendez! C'est une tenue intéressante! Merci. J'étais sarcastique. S'il vous plaît, j'ai un beau sourire. Hein? Sors d'ici. C'est méchant. Waouh. Ouille. C'est moi qui ai fait ça? Je ne voulais pas te faire de mal. C'est une drôle de chauve-souris. Bonjour à tous. C'est quoi toute cette violence? J'essaye de participer à la fête. Oh, habillée comme ça, il faut te vampiriser. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Je suis prête! Il est temps d'enfiler mon costume de vampire. Comment devenir un vampire? Une peau immaculée, hein? Ce n'est pas du tout mon cas. J'ai l'air d'une pizza au chorizo ambulante. Allez, va-t'en. S'il te plaît. Oh, c'est inutile. Je ne sais même pas pourquoi j'essaye. Je ne peux pas changer de visage. Mais je peux essayer quelque chose. Mettons cette paille à contribution. Cible est verrouillée. Attendez. Betty la vampire? Je crois que ça peut attendre. Une seconde, j'arrive. Je suis ravie que tu aies répondu, Naomi. Qu'est-ce que tu fais?
Je suis en train de me transformer. Enfin. Oh, pauvre petite. Une police, c'est ça que tu veux? Alors, tu as besoin de ceci. Oh, merci. Comment ça marche? Et c'est quoi ce drôle de bec? Est-ce qu'il aspire les boutons? Hé, ça a marché! Oh! Je n'arrive pas à y croire! Ma peau est toute nettoyée! Propre comme un sou neuf! Et il n'y a pas une seule tache en vue! Mais tu as toujours des points noirs! Utilise ceci! Hein? C'est pour le nez? Merci! Il est parfaitement adapté! C'est assez agréable! C'est l'heure de vérité! Regardez tout ce qu'il y a! C'est trop dégueu! Waouh! C'est vraiment moi? Mes pores sont superbes! Oui! Mais qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est un... Peu importe! D'accord! Maintenant que ma peau va mieux, je peux passer au croc! De quoi ont-ils l'air? Ben, aucun croc pointu en vue. Non, je n'ai pas de croc. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Oh, c'est gentil. Rien d'autre? Et ici? Bingo! Voyons voir. Regardez ça, plein d'objets tranchants. Je crois que je vais prendre la lime. Je vais les façonner moi-même. Ça fonctionne? J'ai peur. Non, j'ai besoin de l'aide de Betty. Hein, Naomi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. J'ai besoin de crocs. Des crocs? Comme les miens? Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Tu vois ça? Hein? Oh, merci. D'accord, je suis prête. Disparaissez les cochonneries. Il ne faut pas que j'oublie celle du bas. Voilà qui est bien mieux. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça ne fera pas mal du tout. Ne bouge pas, d'accord? Maintenant, ouvre grand. Ah! C'est bientôt fini? Voilà, c'est bon. Tu en es sûre? J'ai l'air d'un lapin. Je m'amuse juste un peu. Attends. Rinçage liquide. Compresse. Et le tour est joué. Vraiment? Waouh, ces crocs sont tranchants. Bien joué. Mais est-ce qu'ils sont assez effrayants? Tu apprends vite. Ok, je dois y aller. Au revoir. Je les adore. Gah! Ouch! Au moins, ils sont fabuleux. Alors, quelle est la prochaine étape? Les yeux? Ce ne sera pas difficile. Betty? Quoi encore? Rebonjour, c'est l'heure des yeux. Tu veux bien me mordre? Qui ça? Moi? Je suis végétalienne, dernièrement. Les produits à base de plantes sont ma tasse de thé. Le goût est tout aussi bon. Au revoir. Attends, ne pars pas. Ouh, il fait si froid. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Morsure de vampire à vendre? Seulement 5 dollars? Je ferais mieux de les appeler. Une morsure, s'il vous plaît. C'était facile. Vous voulez une morsure? Alors je suis votre homme. J'espère que vous aimez avoir les yeux rouges. Venez avec moi. Waouh! Un instant. Je peux utiliser votre table. Je dois mettre l'ambiance. Un peu de jus. Merci. Avec plaisir. Encore 2 ou 3 choses. Voyons voir. Oh, je crois que je l'ai. Oui, voilà. C'est important de protéger sa peau et aussi qu'elle sente bon.
Maintenant, je suis prêt. C'est tout bon? Oh, d'accord, c'est parti. Alors? Hein? C'est intéressant. Hein? C'est bon, c'est fini? Tu as fini de me mordre? Il faut que je voie ça. Waouh, ils sont rouges vifs! Je suis très heureux que vous soyez satisfaite. Mon paiement? Comment? Oh, attendez. 5 $, c'est ça? Fantastique. N'oubliez pas de laisser un commentaire en ligne. Au revoir. À bientôt. Regardez ce vampire trop mignon. Ça va faire beaucoup de likes. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Les cheveux! Ça devrait être amusant, si je pouvais les voir, bien entendu. Il y a un problème avec mon miroir? Je vais demander à Betty. Ou je vais utiliser mon écran. Qu'est-ce que je dois faire pour mes pellicules? Regarde toutes ces peaux mortes. Dégoûtant. Je dois avoir quelque chose par ici. Ici? Le voici. Les jours de mon cuir chevelu sec sont comptés. Il suffit de verser l'après-shampoing ici. Une fois le bouchon en place, massez le cuir chevelu comme ça. C'est exfoliant, ça a l'air pas mal. Voilà, tout propre. Ah, ça fait du bien, mais comment je vais les coiffer? Allez, séchez! Qu'est-ce que c'est énervant? Et si j'utilisais ce sac en plastique? Je tiens peut-être quelque chose. Une fois que tous les cheveux sont en place, il est temps d'insuffler de l'air chaud. Voilà, je crois que c'est fait. Il suffit maintenant de les secouer. Ils sont tout emmêlés. Oh, j'aime bien. Bouge! C'est une urgence capillaire. Aidez-moi! Quoi? Mes cheveux sont tout emmêlés, regardez! Je peux arranger ça, mais ça a un prix. Je crois que j'ai quelque chose. Vous acceptez l'argent liquide? Je suppose que je peux me débrouiller avec ça. Cette tenue est folle! Regardez-moi ces collants. En fait, j'ai une idée. Hein? Qu'est-ce que... Oh! Je vous dérange si je vous les emprunte. Ils nous aideront à obtenir des boucles parfaites. Il suffit de l'entortiller dans les cheveux. Vous voyez comme c'est facile. Enroulez-le ensuite comme suit. Utilisez une pince pour le maintenir en place. Combien de temps dois-je attendre? Laissez-moi réfléchir. Encore un peu. C'est bon? 2, 3, non. 1, 2, 3, maintenant c'est bon. Voyons ce que ça donne. Je les défais simplement. Waouh! Regardez ces boucles! J'adore! Je sais, ce n'était rien. Par contre, ça doit disparaître. Bye bye les lunettes et bonjour l'eyeliner. Ça fera ressortir ses yeux rouges rubis. Des lèvres et des joues rouges aussi. Qu'en pensez-vous? Waouh! Vous êtes incroyable! Eh bien, j'essaye! Et pendant que vous êtes là... Tada! J'y crois pas! J'ai aussi des bijoux! Cette robe est parfaite! Et les chaussures, je ne me reconnais même pas! Oh, je suis si fière! Amusez-vous bien! Je suis entrée! Maintenant, restons calmes, d'accord? Quoi de neuf, les gars? Waouh! Enchantée de vous rencontrer également! Tout ce travail acharné a finalement porté ses fruits, pas vrai? Écartez-vous, mesdames! Tu es absolument divine! Bravo, Naomi! Mon devoir s'achève là! Comment bien commencer la journée sans dire bonjour à mon grand amour?
Il n'est pas merveilleux? Hey! Adios, nulos! Qu'est-ce qu'il est grossier? C'est comme ça. C'est un mot? Oh, c'est une invitation? Je pourrais être la reine de Léo? On irait tellement bien ensemble. Oh, ce serait le rêve. De quoi j'ai l'air? Ouf, je crois qu'il faut que j'arrange un peu tout ça. Ouh! Pourquoi est-ce que j'ai été envoyée ici? Aucune idée. Oh, c'est un beau prince charmant. Hein? Une princesse ne mâche pas de chewing-gum. Allez, suis-moi. Oh, il n'y a toujours pas de serviette. Ah, j'ai les mains trempées. Salut, ça va? Pourquoi est-ce que tu as les mains mouillées? C'est inacceptable! Est-ce qu'on peut remonter quelques instants en arrière, s'il vous plaît? Et hop, retour vers les toilettes! Hein? Fais-moi voir tes mimines! Non, non, non! Des mains propres, c'est bien! Des mains sèches, c'est mieux! Ouais! Merci! C'est bon, là? Fais-moi voir ta poignée de main! Baisse légèrement le bras! C'est très bien! Génial! Vas-y, réessaye! Thank you! Salut! On va en cours ensemble? Ok. Hey! Yo, Julie, ça roule? Oh! Ah! Il fait une de ces chaleurs! Burke! Alors, quoi de neuf? Pas grand-chose à vrai dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh! Naomi! Hé! Naomi! Un truc de dingue. C'était mon épisode préféré. Comment se fait-il qu'elles ne m'entendent pas? Leur tenue était magnifique. Bon, tant pis. Oh, hé, Naomi, par ici! Elle est hyper fâchée contre moi maintenant. Ok, ce truc est inutile. Oups, pardon. Ne faites pas attention à moi. Non, mais tu y crois, sérieux? Allez! C'était quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, pardon. Je vais arranger ça. Désolée, je me suis complètement étalée. Je ne sais pas où est passée mon éducation. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci. Santé aux bonnes manières. Ne te renverse pas, je t'en supplie. Oh, je n'en reviens pas, Naomi! Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que ta casquette est vraiment top branchée! Oui, merci! Ouf, elle ne s'arrête jamais de parler! Bon, tant pis, j'ai trop faim! Aïe! C'est trop chaud! Oh! Qu'est-ce que... Oups! C'est dégoûtant! Je suis désolée! Laisse-moi te montrer comment faire. D'accord. Ne bouge plus. Maintenant, attends 30 secondes. 30 secondes? Mais je meurs de faim! C'est bon, c'est fini! Presque. Tu peux y aller. Génial! Miam! La température est parfaite! Et aussi beaucoup plus propre. C'est bon, j'ai bien tout enlevé, hein? Je suis désolée. Tout va bien. Ne t'en fais pas. Je vais attendre cette fois. Qu'est-ce que tu disais? Je crois que tu parlais de ma casquette. Ouf, sauvé. Maintenant, je peux manger tranquillement. Oh, j'ai tellement faim. Je mangerai n'importe quoi. Oh. Oh. Désolée d'être en retard. Il m'est arrivé un truc de fou. Hé! S'il vous plaît! Deux bolognaises, c'est ça? Bon appétit! Ah, enfin! J'étais dans la voiture et là... Est-ce que tu arrives à respirer au moins? Quoi? Rien. Bon appétit! Oh! Il vaut mieux que je réponde. Je reviens tout de suite, ok? À toutes! Allô? Coucou, regarde ta frimousse! Oh! J'ai de la sauce sur le visage, c'est ça?
C'est tout bon. Merci de m'avoir prévenu. La prochaine fois, utilise une fourchette et une cuillère. Tu prends quelques pâtes et tu enroules comme ça. Proprement. Tu vois? C'est facile. D'accord. C'est bon, je peux y retourner. Je t'en prie. Salut. Désolée pour le dérangement. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah, c'est vrai, mes délicieuses spaghettis. Waouh, cette technique est géniale. Et voilà, plus de sauce sur le menton. Waouh, il faut que j'essaye. Ce DJ est super. Toutes ces chansons déchirent. Santé les filles. La déco, la nourriture, tout est génial ici. C'est une super fête. Oh, allez! Je crois que cette fille a un problème. Qu'est-ce qu'elle fabrique avec sa paille? Enfin! Burk! Trop chelou! Oh, génial! Je vais pouvoir manger l'orange! Waouh! C'est quoi son problème? Oh, il en reste! Dans le mille! Quelle horreur! Faisons comme si on n'avait rien vu. Une autre fête? Eh bien, viens, assieds-toi avec moi un moment. Je vais te montrer comment boire proprement. Pour commencer, tiens ton verre comme ceci et prends des petites gorgées. Comme ça. Tu vois? Un petit peu à la fois. Une fois que tu arrives vers la fin, arrête de boire avant que le verre ne soit totalement vide. Ah, d'accord. Bon, alors, je bois, je continue et j'arrête. Parfait. Au revoir. Merci. Est-ce que ces boissons sont bonnes? Santé? Santé. C'est super bon. Waouh, tu as vraiment bien décoré cette pièce. Oh, j'ai super faim tout à coup. Heureusement qu'il y a de quoi manger. Je vais mettre ça là pour après. On peut commencer? Pas sans une jolie serviette. Ok. Non! Oh, mais bien sûr que je suis bête. Je vais la mettre là. Oh, pincez-moi. Une cuillère? Oh, je n'ai qu'à me servir de mes doigts. C'est trop bon. Oh, wow, cette salade est délicieuse. Miam! Quelle horreur! J'ai trop envie de sucre. Où est-ce que tu as été élevée? Dans un zoo? C'est un peu loin. Ouais! Miam! Oh yeah, ça fait du bien. Oh non! Quoi? C'est beaucoup trop sec. Ah, parfait! Oh! Quel bruit affreux! Waouh! Comment ça se fait que j'en ai jusque-là? Miam! Ew. Oh, génial! Ça fera l'affaire! Il n'y a rien de mieux que manger avec les doigts! Pas de serviette? Pas de soucis! Oh non! C'est tellement dégoûtant! Ah! C'est mieux comme ça! Il faut que ça s'arrête maintenant! Mets ta serviette sur tes genoux, comme ceci! À ton tour! Comme ça? Très bien! Maintenant, prends ta fourchette. Et prends un morceau à la fois. C'est bon! Et beaucoup moins dégoûtant! C'est l'heure de faire la fête! Oh, ça me gratte! Oh, bonsoir Léo! Oh! C'est tellement cliché! Burk! Il pourrait apprendre à mieux se tenir! Pas vrai? Ouf! Oh, voilà un garçon qui se comporte bien! Je crois que le vent a tourné! Bonsoir, je m'appelle Naomi! Wow. Quel gentleman! Ah oui? Raconte-moi tout! Oh, donne-moi une seconde! J'arrive tout de suite! Naomi, tu vas bien? Mes dents!
trouver quelque chose ici. Hé! Cette vieille dame a des dents. Je suis sur le coup. Youhou! Oh, il y a quelqu'un. Ah, j'espère vraiment que ça va tenir. Oh, oh, c'est plutôt confortable. Vraiment désolée, David. Oh, attends! Oups! Burk! Bref. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Betty est toujours endormie? L'occasion parfaite pour faire une farce. Tout le monde veut une moustache, non? Enfin, peut-être pas les filles. Oh non, je crois qu'elle va se réveiller. Oh, achoum! C'est pas passé loin. Et n'oublions pas d'enlever ces choses-là. Ces poils vont rester là où ils sont. Oh! J'avais vraiment besoin de cette sieste. Je n'ai pas dormi aussi bien depuis des lustres. Hein? Qu'est-ce que j'ai sur la lèvre? J'ai quelque chose sur le visage? Oh, mais c'est une blague! Pas de panique, je n'ai qu'à les raser. Où est mon rasoir? Oh! Oh, j'ai une idée. Est-ce que j'ai oublié mes ciseaux par ici? Ma petite boîte à miracles! Je vais forcément trouver un truc utile ici. Mon épilateur de sourcils! Pas de raison pour que ça ne fonctionne pas sur mes lèvres. Faisons un essai. J'ai l'impression que ça fonctionne. Oui! Ma peau est tellement sèche aujourd'hui. C'est la crème hydratante de Naomi. Il est temps de changer de formule. Oh! N'oublions pas la poitrine. La peau est super sensible à cet endroit-là. Oh, ça risque d'être drôle. Ah, je ferais bien de me préparer pour ce soir. Oh, mais qu'est-ce qui sort de mon peignoir? Des poils sur ma poitrine? Mais comment est-ce... Ah! Comment est-ce possible? Oh, oh non, c'est déjà le matin. J'ai fait le meilleur rêve de tous les temps. Et je suis super prête pour le petit déjeuner. Quelle nuit! J'imagine que je dois sortir du lit. Oh. Pas grave, c'est l'heure du petit déjeuner. Très bien. Tu es déjà habillée? Pourquoi? Hein? Oh, Naomi, tu es encore à moitié endormie. Ok, j'y vais. Le violet te va toujours à ravir. Ouais. Au moins, je n'ai pas apporté de soutien-gorge. Attends, ce truc est à l'envers? Je vois rien! Ouf! J'ai eu peur pendant une seconde. Ah! Ta-da! Je ferais mieux de me brosser les cheveux. Oh, il y a plein de nœuds. Ouf! Waouh, Betty! C'est du rapide! Hein? Moi aussi, je peux faire des tresses! Attends, comment on commence déjà? Oh! Oh, Naomi! Quoi? Au moins, j'essaye! Laisse-moi t'aider! Ok, bien, Patouche, j'ai compris! Et attends une minute! Ce gadget devrait t'aider! Tiens! Waouh, ça a l'air sympa ce truc! Il suffit d'accrocher quelques cheveux ici et de les tirer à travers les trois pentes. Et la machine fait tout le travail. Tu vois, pas de nœud. Oh! Pourquoi ne pas décorer avec des perles? Et pourquoi s'arrêter là? On peut faire des tresses partout! Super! Oh! Je veux des perles! Qui tresse ensemble, reste ensemble! Allons-y! La 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 la! Qui est toute propre? C'est moi! Youhou! Ouais! Waouh! Mais on dirait que j'ai mis les doigts dans une prise électrique! Comment?
comment ça a pu devenir aussi crépus? Oh! Attends une minute! Qu'est-ce que tu portes sur ta tête? On dirait un truc pour éléphant rose! Pourquoi il est sur ta tête? C'est juste une astuce de génie pour les cheveux! Ses cheveux sont doux comme de la soie! Oh! Mais mes cheveux sont tellement crépus et abîmés! Tiens! Merci! Ah! Ok! Voyons voir! Mets-le juste sur la tête! Ah! Assure-toi que c'est bien serré! Et couvre la buse du séchoir! Voilà! L'air rentre! Waouh! Ça le remplit vraiment d'air! Ah! Voyons voir si ça a fonctionné! Prêt? Attention! Et voilà! Waouh! Incroyable! On dirait que je sors de chez le coiffeur! Et ne t'inquiète pas, ma tenue est prête! Tu vois? Très bien les filles, c'est parti! Je crois que notre voiture est là! Je monte devant! J'adore cet emoji! Hé! Hey, regarde ça! Léo s'est fait couper les cheveux! Trop sexy! Ah ouais? Envoie-lui un selfie! Ok! Voyons voir! Burke! Quoi? Je ne savais pas que mon menton ressemblait à ça! Mais non, c'est la photo qui fait ça! Oui, Stitty? Voilà! Alors? Mon Dieu, c'est encore pire! Je crois que j'ai besoin d'une greffe de visage! Oh non! Donne-moi ça! Je vais t'aider! Ouvre l'éditeur de photos! Quelques réglages. Quoi? Fais-moi confiance. Voilà qui est mieux. Tu vois? Je dirais que tu as besoin de lunettes. Tu te trouves drôle? Je me sens toujours aussi moche. Ça va aller, attends. J'ai juste besoin de mon accessoire préféré. Ok, Naomi. Voilà! Regarde ce superbe visage! Ouais? Pardon? Tu veux que je porte ça? Ok! Ouais, fais-le glisser! Comme ça? Et maintenant, je fais quoi? C'est exactement pareil qu'avant! Je m'en vais! Je ressemble à un monstre! Il n'y a plus rien à faire! Enlève-le! Calme-toi! Attends 5 heures, d'accord? Allons nous asseoir! Ah, il est quelle heure? Je crois que je peux l'enlever maintenant. J'espère que ça a marché! Combien de temps tu as gardé ça? Non, ne fais pas ça! Oh, mec, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, un message? C'est quoi ce truc? C'est horrible! Tu crois qu'il a aimé? Oh, pourquoi est-ce qu'il m'a bloqué? Oh, je crois que mes larmes sont coincées dans mes yeux! Essayons un peu de maquillage. Ah! Ça va être plus difficile que je ne le pensais! Non! Je t'ai eu! Je n'ai besoin que d'un doigt pour m'en servir! Zut, Burke! Dégoûtant! Je vais juste en mettre directement sur mon visage. Hé, c'est pas mal! Super! Je n'ai besoin que d'une main pour l'étaler. J'espère que ce n'est pas trop. Oh! Là, je pense que c'est bien étalé. Maintenant, les lèvres. Ah! Et voilà! Oh! Vite! Ne pas laisser couler! Oh! Je pense que c'est là que ma lèvre commence. Ok, je vais y arriver! Hé, Betty, quoi de neuf? Oh! Tu t'es regardée dans un miroir récemment? Tu fais encore plus peur qu'un clown! Vois donc par toi-même!
Hein? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Burk! C'est bon, pas de panique. Frotte-toi partout, partout. Oh, quelle horreur! Tu as juste besoin de l'étaler. Hein? Waouh, je ne savais même pas que ce truc existait! Tu n'as qu'à mettre le maquillage sur le pinceau, puis de le mettre contre ton visage. Il étale pour toi! Oh! Waouh! Ce truc m'a sauvé la vie! Je suis de nouveau jolie! Oh! Et pour tes lèvres, essaye ça! Puis mets-le sur tes lèvres. Voilà! Fais-toi plaisir! Ok, je suppose. Oh, ça a fonctionné? Super! Oh, j'allais oublier! Qu'est-ce que tu fais? Oh. Mes sourcils, tu vois? Oh. Je ne peux jamais être tranquille. J'adore la couleur de ce vernis. Oh, voyons voir. Ah. Hey. Tu plaisantes sérieusement? Oh, ça ne va pas! J'espère que ça ne laisse pas de traces. Peu importe, je vais finir. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment? Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que je serais devenue dingue. Oh non! Zut! Oh non! Je suis rentrée! Oh, ma chemise! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Naomi? Oh, j'en ai assez! Hein? Oh oh! Tu veux m'expliquer? C'était un accident! La bouteille s'est comme envolée et a renversé le vernis! Je n'y croyais pas mes yeux! Je lui ai dit d'arrêter! Mais il n'en faisait qu'à sa tête! Étrange! C'est dingue, cette histoire, non? Oh, viens avec moi. Je vais te montrer comment faire. Les accidents arrivent. Il faut juste s'y préparer. Maintenant, utilise ça. Je ne comprends pas. Oh! Comme ça? C'est comme ça? Arrête tes bêtises. Tu mets tes doigts dedans, enfin! Et ça retient ton vernis! Oh! Waouh! C'est bien plus difficile de le renverser maintenant! Tu peux te concentrer sur tes ongles. Tu vois comme c'est plus facile. Ouais? Tu lui dis que non! Je le ferai pour toi si tu ne le fais pas. Oui, tu m'as bien entendu. Je crois que j'ai fait ma part. C'est le matin. Oh non! Qu'est-ce que j'ai bien dormi? Mais je dois y aller. Waouh! Depuis quand j'ai autant de points noirs? Au secours! Oh non! Naomi, regarde mon visage! Je suis hideuse! Attends! Je vais juste tous les percer! Non, surtout pas! Attends une seconde! Oh! Je dois bien avoir quelque chose! Oh! Peut-être je peux juste les cacher! Tiens, ça te les retire délicatement! Et ça ne laisse pas de cicatrices! Tu vois, ils sortent de tes pores! Waouh! Merci! Ouh! Oh non, oh non! Ça craint! Je dois trouver un endroit où me cacher! J'ai tellement peur! S'il vous plaît, ne rentrez pas ici! Oh non! Ils m'ont trouvé! Je dois faire quoi? C'est... Salut Lily! Qu'est-ce que tu fais? Viens! Assieds-toi, détends-toi! C'est l'heure d'une transformation! Style licorne! Je vais vaporiser cette coloration pour cheveux sur cette brosse. Ne bouge pas, ça va être fabuleux. S'il te plaît, vas-y doucement. Arrête d'être si dramatique. Tada! Waouh,
Ça a l'air génial! Allons faire la fête! Waouh, Mickey! Tu es superbe! J'espérais que tu t'en rendrais compte! Je pense que tout est prêt! Je veux que cette fête soit parfaite! Attends une minute, ça n'a pas l'air bien! Mais c'est facile à arranger! Je vais mettre ces cupcakes ici. Je vais juste redresser ça. Alors, ça donne quoi? Je ne suis toujours pas contente. Salut, Lily! Ça a l'air bien! Oh non! Mickey, ne t'assieds pas! Hein? Non! Oh oh! Quelque chose cloche ici! Pourquoi le canapé est-il tout mou? Oh non! Je me suis assise sur les gâteaux! Ils n'ont pas l'air trop abîmés. Oups! Mais tout va bien. Je peux m'en occuper. Où est-ce qu'elle va? Tu vois, je t'avais dit que je... Waouh! Oh! Ne t'inquiète pas pour moi, sauf juste les gâteaux! Oh non! Il pleut des gâteaux! Oh! Tu vas bien, Mickey? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis vraiment désolée, Lily. J'essayais juste de t'aider. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? La fête est fichue! C'était un accident! Attends! J'ai une autre idée! Je vais commencer avec ces moules à glace. Je vais mettre des morceaux de gâteau dans le moule. Cela va faire un effet arc-en-ciel. Je dois m'assurer qu'ils soient bien tous compressés. Ça a l'air bien! J'ai enfoncé un bâtonnet dans le gâteau. Et maintenant, je vais le tremper dans le chocolat fondu. Je dois juste laisser durcir le chocolat. Je vais utiliser du chocolat pour les décorer. Je vais juste l'arroser par-dessus. Et je vais utiliser du chocolat de différentes couleurs. Ça a l'air super! Je vais faire la même chose avec du chocolat blanc. Regardez ce que j'ai! Waouh! Elles ont l'air délicieuses! Je suis impressionnée, Mickey! Waouh! Elles sont délicieuses! J'en veux plus! Hé, Penny, regarde! Quoi? C'est quoi le problème? Oh, c'était mon jean préféré! C'est tellement gênant! Oh, salut! Nope, je ne suis pas intéressée. Oh, je pensais que j'avais un client. Personne n'achète mon chocolat. Hé, par ici! Burke! Tout le monde aime le chocolat! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne vais jamais avoir un petit chiot. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'était un beau rêve le temps qu'il a duré. Un atterrissage un peu compliqué, mais j'ai réussi. Oh, salut Lily, pourquoi tu es si triste? Personne n'achète ton chocolat? J'ai tout essayé. Oh, j'ai une idée. Viens avec moi. Waouh, ce n'est pas dangereux. Où allons-nous? On va dans ce château. Bienvenue dans ma cuisine. Waouh! Il y a tellement de bonbons! C'est trop génial! On doit faire du très bon chocolat. Ceci va résoudre tous tes problèmes. D'abord, nous avons besoin de ce moule. Je vais dessiner un cœur en chocolat dedans. Oh, c'est trop mignon! Je vais en dessiner d'autres. Mais je vais utiliser un autre chocolat. On veut que ce soit joli. Maintenant, on peut les recouvrir. Ce chocolat violet est sublime! Je vais remplir complètement le moule. Puis, on doit attendre que ça prenne. Ensuite, on peut le démouler. Et c'est prêt! C'est tellement joli! Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Merci beaucoup! C'est magnifique! Maintenant, va le vendre! Ça va très certainement marcher! La vente est ouverte! J'étais là en premier! Il y en a assez pour tout le monde! Ça s'est trop bien passé! Waouh, regarde ça! Je vais pouvoir avoir mon chien maintenant! Et tout ça grâce à ma fée marraine! Tu es si mignon et si doux! Oh, j'espère que je suis belle! Je suis contente d'avoir lavé mes cheveux! Allez, dépêche-toi! Je suis parfaite, comme toujours! J'ai un don naturel devant la caméra! Oh, Alex a l'air mignon! Je m'ennuie tellement. Salut, Mickey. Je suis nerveuse. Je déteste qu'on me prenne en photo. J'ai tellement de boutons.
Pourquoi il fallait que j'aie des boutons aujourd'hui? C'est mon tour. On peut aller plus vite. Peut-être qu'ils ne sont pas trop visibles. Oh, de qui je me moque? Ils ont l'air affreux. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin! Attends, est-ce que je me suis brossé les dents? Oh, je déteste me ronger les ongles. Je vais mordre ce crayon à la place. C'est parti. Attends un peu. J'ai une idée! Je dois mordre cette gomme. Je vais la façonner. C'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, j'ai besoin de rouge à lèvres. Je vais frotter la gomme dessus. Je vais la couvrir complètement. Maintenant, je peux la tamponner sur mon visage et cacher mes boutons. C'est une idée géniale! Je me sens trop mignonne. Je dois faire une dernière chose avant ma photo. M'occuper de mes cheveux. Je crois que je suis prête. Bonjour, je suis ici pour ma photo. Essaye de prendre mon meilleur profil. Je plaisante, je suis belle sous tous les angles. Waouh, j'adore ton look, assieds-toi. Je suis sûre qu'on va avoir de bonnes photos. Pousse-toi un peu, c'est ça, juste là. Fais-moi un grand sourire. C'est bon? Parfait. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Salut. C'est pour toi, Mickey. J'espère que ça va te plaire. Waouh, c'est magnifique. J'ai trop hâte de le porter. Merci, Lily. Il est superbe. Tu es la meilleure. Ouf, comme je suis soulagée. Je dois faire un cadeau à Mickey. Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Waouh, je suis riche. Oh, peut-être pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est le moment d'aller faire du shopping. Oh mon Dieu, ils sont tellement bons. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Mickey? Bonjour, je peux t'aider? Nous avons des cadeaux pour tous les âges. C'est pour ma meilleure amie. J'adore ce Poppy. Mais il est trop cher. Oh, un dinosaure. Non, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas un super budget. Je peux voir ça. Peut-être que je peux t'aider. J'ai ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu en penses? Ouah, c'est parfait. Donne-moi ça. Et je vais prendre l'argent aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une blague? C'est fini. Oh, ne sois pas fâchée. Tu veux des bonbons? J'aime les bonbons. Merci. Au moins, je ne vais pas être déçue. Attends! J'ai une idée. J'ai besoin de ces ours en gélatine et de ce moule rond. Je vais mettre les ours en gélatine dans le moule. Voilà le dernier. Maintenant, il me faut de la résine époxy transparente. Je vais la verser dans le moule et couvrir tous les ours en gélatine. Comme ça. Voilà, maintenant je vais attendre que ça durcisse. Maintenant, je peux le démouler. Et j'ai un bracelet personnalisé. Il y a tellement de couleurs. C'est plutôt sympa, hein? Je suis prête pour la fête!
Parfois, les choses peuvent sembler un peu ternes. Mais cela peut se régler, avec quelques astuces de maquillage, bien sûr. Waouh, j'ai l'air magnifique ou pas? Je dirais que c'est une sacrée amélioration. Je peux t'aider? Une fête? Regarde ce qu'on vient de recevoir! Et c'est une fête déguisée aussi! Nous ferions mieux de commencer à nous préparer alors. Allons-y! Partir avec une base solide est la clé de toute chouette transformation. Allez, ça ne change rien! Je n'ai toujours pas l'air différent du tout! Je n'ai pas le répit, décidément! Je ne peux pas aller à la fête déguisée comme ça! Si seulement je pouvais mettre ces couleurs! Il s'avère que tu peux transformer des crayons de couleur en maquillage. Oui, laisse-les tremper là-dedans. Maintenant, c'est doux et agréable. Que le coloriage commence. La couleur s'applique très bien maintenant. Suivant, du rose. Ajoute autant de couleurs différentes que tu veux, les unes après les autres. Presque fini. Je fais tout l'arc-en-ciel. Et pourquoi ne pas faire une petite aile à la fin? N'oublie pas de faire pareil avec les deux yeux. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? C'est une astuce plutôt sympa, non? Ok, maintenant il ne reste plus qu'à trouver la tenue. Je sais, c'est arc-en-ciel tastique, bébé. Ok, il est temps de se préparer pour la fête. Je suis sûre que j'ai quelque chose là-dedans. Ah! Aucune tenue ne va le faire! Non, encore pire! Pourquoi est-ce que j'ai ça? Oh. Hé! Hey! Oh non! Comment as-tu? Ne panique pas! Il doit y avoir quelque chose ici qui va faire l'affaire. Mes collants? Comment? Il suffit de sortir des sentiers battus. Ok. Encore une étape importante. Les collants te permettent de faire un dégradé. Utilise des teintes bleues sur tes joues. Et du violet sur tes lèvres. Enlève les collants et profite des superbes résultats. Maintenant, c'est beaucoup mieux! Tu es prête à faire la fête? Allez! Allons-y! Cet endroit est génial, non? Ok, j'adore le maquillage, pas vrai? Tout le monde nous regarde! Même le DJ! Il est plutôt mignon! On devrait s'habiller comme ça tous les jours! J'ai presque fini! Voilà! Qui a besoin d'aller chez la manucure? Oh! Mon téléphone! Youpi! Oh, attends! Mes ongles! Mais je dois répondre! Je ne sais pas quoi faire! Oh, qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? J'ai juste besoin de mon stupide téléphone! Oh, je pourrais certainement avoir besoin d'une petite sucrerie. Mais non, je dois me concentrer ici. Facile, allez! Ok, j'ai compris. Je n'arrive pas à le croire. Oh non, il y avait un prix à payer! Oh, tout mon travail est foutu! Ah, c'est atroce! Ok, pas de panique. Ce sont juste des ongles. Hé! Hey! Et mon verre d'eau? Essayons encore une fois, d'accord? Ok, cette fois je vais le faire différemment. Au lieu de le laisser sécher à l'air libre, utilise de l'eau glacée pour fixer le vernis. Garde les ongles plongés dans le bol. Puis, après quelques minutes, tu verras que le vernis est bien fixé. Il faut que je raconte cette astuce à tout le monde! Tu ne vas pas le croire! Ah, beau et propre! Le dentiste dit de passer du fil dentaire tous les jours et je l'écoute toujours. Hé! Je suis pressée, d'accord? Waouh! Son maquillage est vraiment joli! Et regarde ce rouge à lèvres, rouge! Il y a comme un souci! Ce n'est pas bien du tout! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonne question!
Tu aimes vraiment le fil dentaire, hein? Je vais faire comme toi. Ces petits fils dentaires peuvent également t'aider à mettre ton rouge à lèvres. Tout d'abord, frotte-le sur le rouge à lèvres. Une fois que c'est fait, presse-le le long du bord de tes lèvres. Cela peut demander quelques essais. Waouh ! Fais un X sur la lèvre supérieure et continue à tracer le contour, alors il ne reste plus qu'une chose à faire. Regarde comme c'est plus lisse ! Continue à passer sur les lèvres pour t'assurer que la couleur est bien foncée sur toute la surface. Beaucoup mieux ! Tu ne trouves pas ? Tu déchires, Sœurette ! C'est parti pour le cinéma ! Ces choses sont magiques ! Oublie Picasso ! Gina, l'artiste, est dans le bâtiment ! Mec, ce jeu est plus dur que je ne le pensais ! Hein ? Je ne peux pas lire mes textos maintenant ! Oh, c'est bien ! Waouh ! Pas plus de textos ! Dégage ! David est là ? Je me suis laissé distraire par mon jeu ! Je dois me préparer ! Hein ? Bizarre ! Une petite retouche devrait suffire. Et un peu de rose ! C'est un bouton ! Et il est bien crémeux ! Dégage, espèce de saleté ! Dégueu ! Je ne peux pas sortir comme ça maintenant ! Les boutons sont le dernier de mes soucis. Je suis tellement moche ! Hé ! La peinture de Gina ! Regarde ces couleurs qu'elle fait ! Elles sont géniales, hein ! Tu as peut-être trouvé quelque chose, Frangine ! Je suis sur le point de peindre mon propre chef-d'œuvre. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un fond de teint mélangé à un fard à paupières vert. Je vais mélanger le tout ici sur la palette. Il suffit d'un peu de maquillage. C'est l'heure de changer les choses. Utilise le pinceau pour mélanger les couleurs. Puis mets-en un peu sur le problème. Le vert qu'il contient va annuler la rougeur. Waouh ! L'art, c'est vraiment cool ! Ça a vraiment marché ! Je ferais mieux d'appeler David ! Hé ! Ce truc du réalisme est vraiment génial ! Waouh ! Cette fête est vraiment top ! Je pourrais danser sur cette chanson toute la nuit ! Tu es sûre que tu devrais vraiment faire ça ? Allons danser par là. Hé, d'où venez-vous, les gars? Qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Oh! Personne ne veut parler à cette Jane sans intérêt. Mais cela peut s'arranger. Avec un peu de paillettes, bien sûr. Commence par mettre du gel pour les cheveux dans un bol. Tu peux être généreuse ici. Et maintenant, la partie la plus amusante. Verse autant de paillettes que tu veux. Tu peux même faire un tas de couleurs différentes. Puis, peins tes cheveux avec le mélange directement. N'aie pas peur d'en mettre partout. C'est déjà très beau. Puis, plus il y a de couleurs, mieux c'est. Et maintenant, les tresses. Regarde! Tes cheveux sont incroyables! Regarde là! Oh! Tu veux danser avec moi? Tu parles d'un changement de style? J'adore les paillettes! Oh, celle-ci était énorme! Eh? Eh bien, il y a ce qu'il faut là-dedans. Et si je souriais comme ça maintenant? Hein? Désolée! C'est très embarrassant pour toi. Oh, gênant! Eh, tu as déjà songé à devenir une princesse? Quoi? Je veux dire, pourquoi pas? Je pourrais bien être une princesse. Laisse-moi faire, chérie. Cette journée est vraiment incroyable. Ouh, c'est parti! Waouh, il est tellement beau! Bonjour. Oh, salut. Oups, j'ai vraiment deux mains gauches. J'y suis presque.
Je n'ai jamais vu de sous-vêtements de cette taille. C'est à moi que vous parlez? Hé, vous avez intérêt à ne pas poster ça? Oula, pauvre chérie, pas de ça avec moi. Revenons un peu en arrière, d'accord? Très bien, arrêtons-nous là. Oh! Tiens, salut! Salut! Oups! Un instant, les princesses ne courbent jamais le dos. Tout est dans les genoux, tu vois? Simple et élégant. Comme ça? C'était parfait, merci. Tu as gagné ta première couronne. Ciao! À la prochaine fois. Hé, hey, tu es dans mon cours de maths, non? Tiens, quelqu'un m'a envoyé un message. Coucou ma belle! Salut Thomas! Ce soir, genre là, je m'y vois déjà. C'est exactement comme ça que les histoires d'amour commencent. Après ça, on sera ensemble pour toujours. C'est incroyablement romantique, pas vrai? Et on se donnera notre tout premier baiser. Et notre bonheur sera sans fin. Oh mince, il faut que je lui réponde. Oui, évidemment. Ah, notre premier rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Bon, qu'est-ce que je vais mettre? Du rose? Ou alors du bleu? Je vais voir ce que je peux faire. Dommage que je ne puisse pas garder ce pyjama. C'est vachement bien, non? Ou un truc plus basique, peut-être. Grrr! Je ronronne d'amour. Non, mais à quoi je pense? Cette fois, on s'approche de la vérité. Il me faut un maquillage parfaitement assorti. Des cils épais pour les faire battre. Et des joues roses pour les sourire. Et quelques strass pour... Eh bien, pourquoi pas? Et de jolies lèvres pour... Oh, on sait tous pourquoi. Oh, j'ai failli oublier. Un parfum agréable fait toujours son petit effet. Oh, c'est moi ça? Je vais en mettre un peu là-dessus. Bah, ça pourrait être pire. Lizzie, arrête! Quoi? Tu as mis beaucoup trop de parfum! Oh! Oh non, est-ce que ça va? Réveille-toi! Oh. Avant tout, laisse-moi te montrer comment mettre du parfum. Au lieu d'en mettre partout, vaporise et passe dans le nuage. Vas-y, essaye. J'en vaporise un peu et je traverse. Bravo, Lizzie! Tu as encore gagné des points de princesse. Allez, monte! Il faut qu'on aille quelque part. Oh! Allez! Ouf! Merci de m'avoir ouvert. Alors, on va où aujourd'hui? Quoi? Tu as mis de la saleté plein ma voiture immaculée. Je vais la nettoyer avec ta tête. Non, attends, c'est pas gentil. J'ai une bien meilleure idée. Sors de la voiture, s'il te plaît. Merci. Voilà comment on entre dans une voiture. Mets les jambes de côté et tu lèves. Tu vois? Oh, je crois que je peux y arriver. Alors, je m'assois et je lève les jambes. J'ai réussi! Je suis fière de toi. Maintenant, allons-y. On va être en retard. Et n'oublie pas de mettre ta ceinture. Alors, toi aussi, t'aimes le foot? Oh ouais, je suis une grande fan. Oui, tu disais? Allez, tu peux tout me dire. Tu as de la salade coincée entre les dents. Oh! Une seconde, je vais l'enlever. Viens la maudite feuille de salade. Que fabrique Lizzie? Elle n'est pas en train de se curer les dents à table. Hein? Oh, c'est pas grave. Non, pas avec les doigts. Stop! Oh! Bizarre. Allez, viens ici. Oh, sérieux? Oh! Non! N'importe où, sauf dans la bouche. Garde cette main hors de ta bouche, tu veux? Voilà, c'est ça, continue! C'est grotesque! Hein? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Que je me lève? Maintenant? Aux toilettes? Je reviens tout de suite! Je te retrouve là-bas! Ce rendez-vous est une catastrophe! Il doit penser que je suis dégueu! Parce que tu te cures les dents! Et alors? Oh! Pourquoi tu n'arrêtes pas? Tiens,
Aie toujours du fil dentaire dans ton sac en cas d'urgence. Mais je ne vais pas me coucher! Allez! Oh, d'accord, j'ai compris. Je prends un petit morceau de fil. Tu sais utiliser du fil dentaire, pas vrai? Quoi, c'est pas comme ça qu'on fait? Oh, je sais! J'étais sûre que tu y arriverais. C'est bon, je crois que je l'ai eu. C'est tout propre. Maintenant, retourne t'asseoir. Oh. Coucou, me revoilà. Ils sont mignons tous les deux. Un pas de plus vers le statut de princesse. Ouais! Toujours là pour toi. Alors, qu'est-ce que tu disais? Oh, David est tellement beau! Et il a l'air grave intelligent sur ses photos. Oh, celle-là, c'est vraiment la plus adorable. Waouh! Lizzie, tu ne croiras jamais ce que je viens de voir. J'ai laissé tomber mon livre dehors. Eh oh! Qu'est-ce que tu regardes? Oh, l'Instagram de David, évidemment. À plus! Salut Lizzie, ça roule? T'es belle aujourd'hui. Lizzie, qu'est-ce que tu regardes comme ça? D'accord, j'ai peut-être pas parlé assez fort. Allô? Toujours rien? Elle a des écouteurs ou un truc comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Fais attention, Lizzie! Je n'ai pas d'autre choix. Voilà. Il faut que j'arrête le temps une seconde. Vous êtes bien tous les deux figés, pas vrai? Bien, commençons par le commencement. Le téléphone doit rester dans ton sac à main, c'est compris. Et toi, fais demi-tour. C'est déjà mieux. C'est bon, on reprend. Hein, David? Je ne t'avais même pas vu. Oh, c'est trop mignon. C'est ce que j'appelle un comportement de princesse. Ouf! À plus! Oh, c'est la serveuse! Par ici! Je peux vous aider, mademoiselle? Je peux voir le menu? Merci. De quoi est-ce que j'ai envie? Des pâtes? Hé! Madame la serveuse! Oh, très bien. Oui, madame? Je veux ça. La salade? Bien. Voilà, ce sera tout. Comme vous voudrez. Est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai très envie de ça. Hé! Oh, est-ce qu'elle vient de me siffler comme un chien? Oui, je veux ça aussi. Tenez! J'espère que ça ne sera pas trop long. Ouf, alors on mange au restaurant, hein? Bonsoir, ma chère. On retire ses coudes de la table. Excusez-moi. Oh, je peux faire ça? Oh, super! Quelqu'un qui a des bonnes manières. Je peux vous aider, mademoiselle? Merci, c'est gentil. Tu vois comment on fait? D'accord, je peux le faire. Oh, merci! Nouvelle école est super! C'est des tampons! Burk! Qu'est-ce qui est si drôle? Oh non, ce n'est pas possible! La journée commence mal! À moins que je reprenne le contrôle! Savais-tu que les tampons pouvaient servir à faire de superbes boucles dans tes cheveux? En plus, ils ont la taille parfaite! Alors enroulez et un peu de patience! Tu vois? Fabuleux! Waouh! C'était incroyable! Heureusement que j'en ai apporté beaucoup! Oh, essayons! Trouve ton nez qui coule. Ah, rien de tel que de nouveaux vêtements. On se sent comme une toute nouvelle personne. Mais ces vieux collants peuvent être problématiques. Non! Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant,
Heureusement que j'ai une autre paire. Je vais essayer encore une fois, d'accord? Doucement, doucement. Oh! Non! J'ai la poisse ou quoi? Et cette paire? Ding, ding, ding! Nous avons un gagnant! Oh! C'est quoi votre problème, les ongles? Oh! Je laisse tomber! Et ces vieux trucs? Impossible! Oh! C'est non! Ces trous sont énormes! Oh! Et me voilà! Bon, je me serre et je me casse! Il y a quoi d'autre par ici? Des fleurs fraîches, parfaites pour offrir à ma chérie! Regarde ce magnifique visage! C'est pour moi! Ces gens doivent être riches! Oh oh! Je ne suis pas seule! Pourquoi toutes ces larmes? Mes collants continuent de se déchirer à cause de ces stupides ongles! Quoi? J'ai une paire en parfait état! Tu vois, ils sont à toi! Mais mes doigts! Mets des gants alors! Attrape! Des gants? Bien sûr! Merci! Plus de problème! Ils s'enfilent super facilement! Tu peux même tirer dessus, tu vois? Merci! Mes jambes sont fabuleuses! Ce voleur s'y connaît! Tu sais quoi? Elles sont presque aussi jolies que toi! Ah, merci! Attends une minute! Oh oh! Il est temps de partir! Reviens ici! Salut Gina! Regarde ma tenue! Jolie, hein? Ouais, super sympa! Bon, j'ai faim, moi, maintenant! Alors, des chouettes ragots? Ouais! Oh mon Dieu! Regarde ce sac à main! Et celui-là aussi! Oh non! Pas ma jupe! Je suis couverte de thé! Comment tu peux être si maladroite? Oh, désolée, laisse-moi t'aider! Oh, je suis juste un peu maladroite aujourd'hui! Tiens! Quoi? Merci alors! Attends... Je sais! Quoi? Donne-moi ta jupe! Ok, si tu insistes! Maintenant, regarde la magie opérée! Mets-la dans un bol avec plein de sachets de thé! Puis verse de l'eau chaude bouillante! Tu vois la couleur qui dégorge? Il faut qu'elle soit complètement submergée! Laisse-la tremper pendant une journée! Et tu auras une nouvelle jupe! Qu'est-ce que tu en penses? Tiens! Elle est encore mieux qu'avant! Waouh! Qui est cette déesse? J'y vais! Waouh! Oh non! Une preuve de mon amour, ma chérie! Oh, j'aimerais avoir un petit ami! Comme ça, j'aurai des cadeaux aussi! Oh, c'est tellement beau! Ouais, tu es si gentille! Bref! Oh oui! Hé, hey, les yeux de ce côté, s'il te plaît! Il serait si heureux si j'étais sa petite amie! Oh, trop gentille! Oh! Ouais! Hé! Hey, je ne suis pas invisible, tu sais! Waouh! Je suis une pro du maquillage! Oh, fantastique! Oh, tu aimes le rouge à lèvres? Je peux le faire aussi, regarde! D'abord, utilise une lame pour couper le haut du bâton. Ensuite, pousse-le jusqu'en haut. Maintenant, coupe le long du côté comme ceci. Et refais pareil de ce côté. Enfin, coupe un morceau en forme de triangle ici et enlève-le. Lisse les côtés avec la partie plate de la lame. Maintenant, tu as un rouge à lèvres en forme de cœur. Wouhou! Qui veut un peu de mon amour? Je sais à qui je veux le donner. Ok!
Et... Oups! Hein? Oh non, je suis tellement maladroite! Attends, laisse-moi t'aider! Quoi? Je t'aime! Je veux dire, merci pour ton aide! Oh! Et voilà! Je suis de retour! C'est quoi ça? Un cœur? Laisse tomber! Fiche le camp! Tu m'accompagnes au cours de chimie? À plus! Oh non! Mais attends, je t'accompagne en cours! Tu as mon cœur après tout! Et maintenant, j'ai le tien! Ouais! 1, 2, 3! Waouh, celui-là était grand! Ouf! C'était pas évident! Mais ça vaut la peine de souffrir pour la fête de ce soir! Et mon Jake sera là! Son joli appareil dentaire et tout! En fait, j'ai une idée géniale! Et ça va sûrement beaucoup plaire à Jake! Mais ça va demander un peu d'assemblage! On en ajoute encore quelques-uns. Et on obtient l'appareil dentaire! Maintenant, place-les autour de tes dents. Bonjour l'appareil dentaire! Il va adorer ça! Je me demande si Jake est déjà là. Ohé! Quoi de neuf? T'as l'air en forme! C'est toi qui as l'air trop belle! Cette musique est géniale! Dansons toute la nuit! Youhou! Yeah! Levez les mains! Cette boule à facettes va-t-elle tenir? Gina, viens là! Il est bon! La fête est finie alors! C'est bon! Notre lumière dentaire va faire durer la fête! Génial! Que la fête continue! C'est une ambiance de folie! Les effets de lumière! Continuez de sourire, d'accord? Voilà! C'est beaucoup mieux! Ah, rien de tel que la bonne odeur des fleurs! Je suis à la maison! Phew! Oh oh! Oh, Gina! Salut! Qu'est-ce qu'il y a? Sur quoi je me suis assise là? L'éponge à maquillage de Stacy? Pas mon problème! Pourquoi c'est si calme? Hé? Tu vas bien? Pourquoi? Tout va bien! Je dois y aller! Où est-ce que tu vas? Comme tu veux! C'est l'heure du maquillage! Où est mon éponge à maquillage? C'est bizarre! Elle doit bien être quelque part! Oh, elle est là! Merci bien! Pourquoi est-elle coupée en deux? Gina! Hein? Hein? J'ai dû rêver. Retour au pays des rêves. Oh, je n'arrive pas à y croire. Elle a laissé ses affaires. Les choses vont s'arranger. Tu savais que tu pouvais utiliser du dentifrice pour garder ton éponge en un seul morceau? Il suffit de la mettre dans un sac en plastique et d'y ajouter de l'eau. Puis ferme-le et regarde la magie du dentifrice opérer. Oh, je sens que ça marche! Tada! Elle est de nouveau en un seul morceau! Et voilà! Qu'est-ce qui marche ou ne marche pas? Commente-y dessous pour nous le faire savoir! Ces conseils de beauté t'ont-ils été utiles? Combien de collants as-tu déjà abîmé dans ta vie? Fais-le nous savoir et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres vidéos super utiles! Ah, il n'y aurait pas quelques restes là-dedans? Bingo! Maintenant que la question du déjeuner est réglée... Attends, c'était quoi ça? Ça se rapproche! Oh non, pitié, ne me faites pas de mal! Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas de moi! Non, 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 c'est pas encore mon heure! Au secours, ouvrez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! Ouvrez la porte, au secours! Oh! Oh, regardez comme ça brille! Waouh, je peux entrer? Oui, oui, oui! Ma pizza est là! Hein? Vous voulez un pourboire? Donnez-moi juste une seconde! Après tout, vous n'avez qu'une demi-heure de retard. Merci, au revoir. C'est de la pizza? T'as pensé au pepperoni?
Attends, avant de manger, je vais poster une story. Hé, où est-ce qu'elle est passée? Quoi? Et moi qui pensais qu'on allait partager, je vais manger la mienne dans mon coin. Personne ne touche à ma pizza. Il faut toujours que je poste la photo. Quoi? Encore? Tu plaisantes? Quoi? Très bien, je vais essayer encore une fois. Ici, elle ne me trouvera jamais. Voilà. C'est une blague ou quoi? Tina! Ne bouge pas. Tina? Bon, au moins, il reste de la pizza. Enfin! Tada! Bon appétit! Ça valait le coup d'attendre. J'avais pas une part de pizza dans la main? Désolée! Ou pas! Ici, c'est ma pièce préférée de la maison. Regardez ces belles fleurs! Donne-moi ça! Hé, quand est-ce que t'as été mannequin? Oh, c'est l'un de mes nombreux tapis rouges. Ah! Et ça, c'était quand? C'était l'année dernière. Je vais les remettre à leur place. Non, attends! Fais attention avec ça! C'est un vrai diamant! Non! Mon diamant! Oh! J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Enfin bref. Je vais le garder sur moi à partir de maintenant. Et si on s'asseyait une minute? Tu veux une tasse de thé? Il vient d'infuser. Tiens, c'est pour toi. Attention, c'est chaud, ok? Oh, il faut que je réponde. Allô? Je reviens. C'est dégoûtant! Je vais faire comme si je l'avais bu. Personne n'en saura rien. Qu'est-ce qu'il y a à faire par ici? Il y a quoi derrière cette porte, là? Je vais déplacer ce truc. Personne ne me regarde. Waouh! Regardez cette pièce incroyable! J'arrive même pas à croire qu'elle existe! Burke! Oh, et puis, c'est sympa d'avoir un nouvel ami. Waouh! Ça a l'air vachement confortable. Et les motifs sont sympas. Ah, c'est confortable. Bonne nuit, petit bonhomme. Miam! Ça fait longtemps que j'avais pas fait une soirée télé. C'est vraiment toi, Liam? Waouh, t'as une jolie voix, mec. Et cette chanson est magnifique. Qui est là? Tu voudrais pas être un ange et aller ouvrir? S'il te plaît. Bon, d'accord. Je dois tout faire ici. Bonjour. Non. C'est mort. Alors, c'était qui à la porte? Qu'est-ce qu'il voulait? Juste une bande de gens bruyants avec des caméras. Attends. Wow! Parlez-nous de votre récente rupture. Oh! Ils m'ont retrouvé! Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens! C'est quoi ça? Fais-moi confiance, d'accord? Alors, j'ai rien entre les dents. Mais ces lunettes sont pas terribles. Oh, parfait! C'est l'heure du spectacle! Salut à tous, voilà votre scoop. Écoutez-moi attentivement. Hé, hey, c'est qui la fille juste là? Comment vous appelez-vous? Comment connaissez-vous Liam? Oh, pourquoi c'est pas à moi qu'il parle? Oh! Eh bien, au moins on a fait les gros titres, non? Oh! Miam! Viens, on passe aux choses sérieuses. Il faut absolument qu'on fasse cette danse à la mode. Fais comme moi. Tu ne vas pas danser avec cette pizza. Donne-moi ça. Toi et ta pizza. Bref. Hé! Maintenant, regarde. On croise. On tourne. Continue, je t'écoute. Vas-y, continue. Oh, ma pauvre part de pizza. Vite! Miam, trop bon! Hein? Ça sent la pizza! Quoi? Quelle pizza? Tina! Je ne fais que danser, regarde! Ouf, c'est pas passé loin. Je dois reconnaître que ce bonnet est bien utile.
Maintenant, sur le côté, comme ça. Oui, sur le côté, d'accord. Oh non, elle est collée. Allez, descends. Waouh, joli rattrapage, hein. Attention, je le tiens. Heureusement que j'ai de bons réflexes. On va voir ce que ça donne. Je suis pas mal. Mais tu ne fais que manger de la pizza. Oh, Tina. Oh, toi t'aimes qu'on te gratte le ventre, pas vrai? Donc je peux utiliser mon téléphone avec l'autre main. Vous avez vu ça? C'est génial! Tina! Tu m'as appelé? Aide-moi à filmer ce TikTok, tu veux bien? D'accord. D'abord, je saute avec le balai. Comme ça! De quoi ça a l'air? Pas mal, je crois. Montre-moi! Attends, on ne voit que ta tête, Tina! T'as oublié de retourner la caméra! Cette fois, tiens-le dans le bon sens, d'accord? Promis! C'est bon, je suis prête! Oui, j'ai tout cette fois! Regarde! Tina, on ne voit même pas ma tête, là! L'idée, c'est pas de prendre mes chaussures! Oh, je vais le positionner moi-même! Et toi avec! Tu ne bouges plus, d'accord? Je vole sur un balai! Wouhou! Je suis sûre que ça va être impeccable. Fais voir! Je suis bien sur le balai, mais ça a pas l'air génial. Je vois pas ce que je fais de travers. C'est un vrai casse-tête. Bon, au moins, on aura essayé. Ha! Ah! Ouille! Désolée! Le reflet sur votre front a presque disparu. Moi aussi, je peux très bien me maquiller, tu sais. Pauvre Tina. Ses talents de maquillage sont inexistants. Rends-moi un service. Bien sûr, Liam. Mouah, mouah. Très bien, ma chérie, à ton tour. Et ça risque de prendre un bout de temps, apparemment. Hein? Oh, dégueu. On va redonner un peu de volume à tes cheveux. Ah! Très bien. Maintenant, on va s'occuper de ta frimousse. Ça ne fera pas mal, princesse. Ah! Vous en êtes sûre? Dites bonjour à la Tina 2.0. C'est mon plus grand succès jusqu'ici. Wow, tu plaisantes pas! Merci. T'as vu toutes ces paillettes? Et cette robe? Oh, génial, je suis à l'heure. Pourquoi toute cette agitation? Wow! Tu te rends compte? Attends, ce serait pas elle? Qui? Moi? Hein? Oh, mais non! Je peux avoir un autographe? Quoi? Bon, d'accord, mais j'utilise mon propre papier. Tenez. Il y en a assez pour tout le monde. Apparemment, je suis plus pauvre maintenant. Pas de bousculade! Eh bien, l'école, c'est vachement dur. Ce serait génial de vivre comme une sirène. Quel était ton bricolage préféré? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour plus de superbes vidéos comme celle-ci.